Dans cette vidéo sur le thème de la gémothérapie, nous allons parler du bourgeon de cèdre du Liban. Nous allons voir ensemble ses actions sur les différents systèmes de l'organisme, ses indications thérapeutiques et je vous partagerai quelques informations et contre-indications à son sujet. Je suis Émilie, conseillère en nutrition et naturopathie, praticienne en gémothérapie, créatrice de recettes saines et gourmandes et inspiratrice de bien-être et de créativité. Le but de ma chaîne YouTube est de vous partager le maximum d'infos pratiques, de lectures inspirantes, d'astuces et de conseils pour prendre soin de vous et de votre santé au naturel. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas à droite de cette vidéo pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de découvrir mon e-book de gémothérapie, le guide complet pour toute la famille que j'ai créé spécialement pour vous. Mon objectif avec cet e-book est de vous apporter des informations pratiques et des conseils pour tout savoir sur la médecine des bourgeons. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de ce guide complet en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Et le lien pour découvrir en détail ce guide complet de gémothérapie pour toute la famille se trouve en description juste en dessous de cette vidéo. Nous allons donc parler du bourgeon de cèdre du Liban et voir ensemble ses actions sur les différents systèmes de l'organisme. C'est le bourgeon de la sphère cutanée et plus particulièrement des problèmes secs de la peau. C'est un draineur du système cutané. Il détoxifie en profondeur tous les organes qui éliminent par la peau. Il apaise les muqueuses digestives et respiratoires. Il soutient le système immunitaire. Il prévient le vieillissement de la peau. Et il est efficace dans les allergies par son action de détoxination de l'organisme. Quelles sont les indications thérapeutiques du bourgeon de cèdre du Liban? Il est utilisé en cas de eczéma sec, eczéma kératosique, dermatose allergique, dermatite, urticaire, psoriasis, inflammation de la peau, que ce soit couperose, irritation, rougeur, œdème, croûte ou encore suintement, acné et dermatite séborréique. On utilise également le bourgeon de cèdre du Liban dans les cas de cor, callosité, kératose, sécheresse cutanée, démangeaison du cuir chevelu, irritation des muqueuses digestives ou encore irritation des muqueuses respiratoires. Je vous partage maintenant quelques informations et contre-indications au sujet de la prise du bourgeon de cèdre du Liban. Dans tous les cas, si vous suivez un traitement médicamenteux, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant d'entreprendre une cure de gémothérapie. Quelles sont les contre-indications dans la prise du bourgeon de cèdre du Liban? Il n'est pas indiqué aux femmes enceintes ou allaitantes, mais également aux enfants de moins de 3 ans. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème de la gémothérapie pour découvrir un nouveau bourgeon. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.